suis Samantha, professeure de danse à l'EMMDT. Cette année, pour les foulées littéraires qui auront lieu le 29 et le 30 novembre, nous allons vous proposer un spectacle sur le thème du Super Bowl américain. Il y aura de la danse, du chant, de la musique, du théâtre. Pour le final, tous les artistes de ce spectacle vont participer à une chorégraphie. Le but du jeu, c'est qu'on soit le plus nombreux possible sur scène. Donc vous, vos amis, vos cousins, la famille, vous allez pouvoir apprendre cette chorégraphie pour pouvoir nous rejoindre sur scène et danser tous ensemble pour faire ce final. Je vais donc vous apprendre cette chorégraphie, d'abord sans musique. Vu que vous allez regarder la vidéo de face, ça s'appelle être en miroir. Moi, je vais faire les mouvements à gauche, mais pour vous, ça sera à droite. Tout simplement, quand vous me regardez, vous partez dans le même sens que moi. Vous allez voir, ça va être facile. Le début de la chorégraphie, on va commencer accroupi. Et sur l'introduction de la musique, tout simplement, vous allez vous lever lentement pour vous mettre sur vos deux pieds, tout droit. Et ça va partir vers la droite avec deux pas. Un, deux, main droite, main gauche, tapez les cuisses, même sur la gauche. Un, deux, main gauche, main droite, et tapez les cuisses. Rond de bras avec la main droite, rond de bras avec la gauche. Et tout simplement, on va faire ça deux fois. Marche. Marche, main droite, main gauche et tap-tap, cuisse à gauche, deux pas, main gauche et droite, tap-tap, cuisse et un, rond à droite et un, rond à gauche. De là, ça va aller très vite. Les personnes qui sont en arrière vont se mettre devant, les personnes qui sont en avant vont se mettre derrière pour pouvoir faire un petit changement de place et qu'on ait assez d'espace aussi entre les uns et les autres. Donc, deuxième partie. On va partir un pas à droite avec le poids qu'il va faire vers l'épaule. Un, deux, tourne à droite et on revient. Même chose à gauche. Point gauche, point droit, on tourne, on revient. La main droite, croise, croise, ouvre, ouvre, monte, monte et on ouvre les bras avec les doigts. Et on tourne à droite par quart de tour. Hop, et de là, on reprend l'enchaînement des points. Croise. Croise, ouvre, ouvre, monte, monte, ouvre les doigts, tourne, 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 tourne. Et de là à la fin, vous allez faire 4 pas en avant. 1, 2, 3, 4, sauter en boule et tout simplement revenir à sa place en reculant. Et la fin, au ralenti comme un slow motion. Chacun fait ce qu'il veut, mais au ralenti. Et le but, c'est de se resserrer les uns les autres pour faire un groupe. Et la pose finale, ceux qui sont vers le bas se mettront tout en bas. Et puis au fur et à mesure, un peu plus haut, un peu plus haut. Et les derniers, très haut, pour que ça forme un groupe. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer la chorégraphie en musique et en rythme. Donc on se met accroupi en attendant la musique. Facile à apprendre pour vous et on se retrouve le 30 novembre pour la danser tous ensemble. Merci.